ça qui rive chef de gang vite l'homme qui n'a torsel là, c'est ça qui rive Joseph Félix Badiou, nèg yo trahil. Badiou annonce li pral mette piel à te. Seulement moun qui pas en toi qui pas passé. Li menace la presse, li menace la police, li menace organisation droit moun, bon, responsable organisation pour m'bien. Badiou même allait plus loin pour le dire. Gon série de moun qui a fait des déclarations sur dossier assassinat président Jovenel Moïse qui a bail menti. Si moun sa yo te konnen, là que yo fin fait déclaration, là ou pralé la kayo, te gon grenade yo t'ap recevoir dans l'estomac yo, gen des bagay yo pa t'ap chanm di sou moun. Y a espérance bon côté parler. Li déclaré oui, Badiou là la pleine. Les gon puissants chefs gang qui ensemble avec actuellement. Et, cabinet avocat qui te prépare sommation voye by diverses autorités dans le pays, à frères et sœurs bien-aimés, c'est pour même chef de gang ça, la travail. Frères et sœurs bien-aimés, différent qu'un diable. Jean Bagay là et là, c'est que, Jovenel Moïse, vle pas vle, d'accord pas d'accord, la joint justice. Rale chez vous ou pral tan de cause. Pays les États-Unis, mes amis, bagay la red. Les États-Unis actuellement là, avec un tipon 4 nan mel, avec yon queen dans l'autre main. Hello, le pays du monde, s'il vous plaît. Qui est-ce qui prêt? Qui est-ce qui gagne tout militaire pour aller de Haïti? N'a pas responsable opération, hein? Pas de problème. Non, ça ka passe comme ça. Non, là, bagay yo compliqué pour les États-Unis. Souwe yo ka arrive nan kafou sa. Gentil proverbe créole l'a dit. Jean chat marché, c'est pas qu'on sale le kebirat. Qui cause ou bral dandi. Mon invité ou rale chez ou chita. Faut que zami, il faut pas rentrer la kayou, c'est un plaisir. Tout tripotay sa ou nan moti mamit sa retire sans midi. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie encore une autre fois. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao. Nous avons une chance de présenter ou yon petit compte. Aïe. Yeah. Et contre ça qui c'était, grâce à moi-même, ou vin belle. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse là, c'est miwa. Un petit cric, crac, pour nouveau compte, nous gagne. Depuis où si t'es nom, m'pas existé encore. Depuis où si t'es nom, m'pas existé encore. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là, dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout sa cap passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo à pour travail là, capable avancer, Zami Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, actuellement là, situation a dégénéré dans le pays d'Haïti. Diffait nan kan criminel yo. Criminel yo gen problème actuellement. Joseph Félix Badiou, yon nan suspect nan assassinat président Jovenel Moïse. Depuis plus passé 15 mois, nous pas tande type là. Depuis 7 juillet 2021, nous l'a cité et jusqu'à hier soir, li mette yon voice de yon. Voice a qui dirait 24 minutes à quelques secondes. Femme di ou, Badiou fait en pile déclaration. Li menace la police, li menace la presse, li menace responsable organisation droit moun, qui même fait quoi, li en a fait ensemble avec vite l'homme pendant dernier moment yo là, yo mette tête yo ensemble. Donc, Jean Bagay l'a déroulé, journée jodi, ya, gon trahison frères et sœurs bien-aimés. Ou capable rappeler ou, nan moi j'ai qui saute passé à la, vite l'homme te déclaré sous divers médias en ligne avec médias traditionnels, li rencontré ensemble avec Premier ministre Ariel Henry, avant assassinat président Jovenel Moïse
plus monsieur dame SDP yo pour te planifier assassinat président. Et après assassinat président tout, li te rencontré ensemble avec premier ministre Ariel Henry. Donc, et rappelez-vous, après assassinat, vite l'homme déclaré, Josué Pierre-Louis, actuel secrétaire général palais national, te invité l'en parler parce que monsieur te gendil. Mais vite l'homme qui senti la gon piège, qui ça le fait, li voyait avocat, li pas allé. Et rappelez-vous, les avocats ont sorti dans le palais national, frères et sœurs bien-aimés, ils ont été kidnappés. Vite l'homme, c'est un suspect dans l'assassinat président, même gens ensemble avec Badio. Badio qui fait apparition, vous, sous nous, sans frapper, il juste passé l'entrée dans la chambre et il commence à parler. Donc, premier ministre Ariel Henry, ensemble avec Oligakio, qui participait dans tout le président, Jean Badio parlait, frères et sœurs bien-aimés, bon trahison, bon bagay qui passait. Même Jean, yote fait vite l'homme qu'on est. Immédiatement, nous finissons tout le président. L'abge en pile poste. L'abge l'argent. Ge bagay yop vin fait dans la zone. Et après, yon fin tout le président. Monsieur, yon rekont li, yon besoin éliminer. Et, dans la déclaration, il te dit, vkrapo par contre, valet koulev. Nous rappelons nos déclarations ça. Joseph Félix Badio dans voice li a li dit premier ministre Ariel ou di mbou vini la justice pa gen problème moi prêt pour mal la justice. Donc là frère c'est ce bien-aimé gon piège. Et deuxième bagaille pour comprendre dans voice ça Badio déclaré oui on nous voulait me responsable toute bagaille n'a dit c'est moi même qui touye président c'est moi même qui est assassin potentiel là. N'a bon tout chaipote, est-ce que m'ge contact pour mal chercher City ou pour me faire rentrer dans le pays d'Haïti pour recruter Colombien pour venir tout yé président? Donc, là, mesdames, mademoiselles et messieurs, faut que vous compreniez, gon pi gros gradé, gon pi gros tête pensant dans tout yé président après Badio, après premier ministre Ariel. Après tout ça, nous yon cité là. Attendez, et comprenez bien ça, Badio dit. Ah, est-ce que nous pensons que nous contact, que autorité pour mal chercher City pour que nous recrutions Colombien pour nous venir tout le président en dedans la Kaili? Et rappelez-vous, dernièrement, il était écrit ambassade américaine quand elle te fait qu'on est jour assassinat représentant City U te Kaï président. A la traka pou la vekaite. Donc, Badio menace la police, li menace Pierre Espérance, li menace divers journalistes. Li fè konne, messieurs dames sa yo kap mache bay manti. Si yo te konne, le yo fin bay manti nan radio, le yo ap rentre la kayo gon grenade ki tap sote l'estomac yo ki de bagay yo patab chom mache di. Li annonce, li mette piel ate. Donc, j'en comprends bagay yo, c'est que, même sa messie yo fait vite l'homme, c'est lui-même qui passe Badio actuellement là. Et frère, c'est ce bien-aimé, la République pral chauffer, pral gen cause. Badio annonce, li mette piel à tel lui-même. Li pral frappe. C'est dernière fois, monsieur a fait genre de action ça. Pour yon levon bon matin, et puis leve tout chaye la gè sou don lot, et puis yon même yon rete yon ap vive. Non, yon pap detuil li même. A la traka pou la vekaite. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça fait 5 jours. Bien espérance, c'est dans micro, Marie-Lucie Bonhomme. Toujours sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Après, cabinet avocat Badio. Dévoyé sommation by divers journalistes et directeurs d'opinion avec diverses autres autorités toujours. Entendez, réponse Pierre Espérance te baille sous dossier si là, les que Madame Marie-Lucie Bonhomme te pose la question. Joseph Félix Badio, tout le monde a parlé côté passé, et lui refait surface, lui attaquer
et des gens qui peuvent parler et de lui en justice et ou même qui vont comprendre ça, qui genre organisation a dirigé à lui-même lui interpréter ça passé. Chaque fois nous avons occasion pour nous parler sous assassinat qui fait sous ancien président Jovenel Moïse, les poser nos questions sous Badio, nous toujours dire Joseph Félix Badio li là, li na pays a et li a circulé, li pas circulé tout temps mais li là. Et li là, li très très puissant, li très très actif et dans zone et la plaine dans zone et tabac et li gagne tout yon gang qui très puissant et dans zone ça et qui et y a travaillé ensemble et y a mitonné et des plans donc c'est ça m capable dit bon li pas que la police et a cherché et c'est vrai l'a regardé dans rapport partiel la police et DCPJ t'a fait et quelques semaines après l'assassinat, il a montré la dernière et Joseph Félix Badio c'est cerveau et criminel et mais malheureusement et Badio est protégé par des autorités et en la pays mais il y a des autorités tout qui t'a protégé lui et je ne vous dis rien, il y a des gros problèmes avec yo et la mis des plans. Et maintenant sous et document ça que li et voyez ban nous et bon et ça capable dit et chaque monde qui et recevoir document ça et pour eux même selon équipe Badio et monde qui travaille avec lui mais moun sa yo a marché avec ses kayo en bas bras yo parce que c'est pas l'autre bagaille c'est pour parce que contrairement avec ça moun pense son cabinet d'avocat qui et qui fait acte là ouais et puis et kounye là yo quoi que yo mette non Badio la dani qui nan bao quoi des bouquins mais c'est pas vrai son cabinet avocat et cabinet ça et li c'est yo c'est cabinet yon gros chef gang et dans zone là et qui donc et là qu'on y a yo invité ou et tabac ou bien quoi des bouquins et ben là aller soit prend c'est pas alors m'a parler moun yo cité yo ouais. Tandis bien, oui, il y a des autorités. Qui des autorités bien? Chaque sort vous fait chaque mot. Frère, c'est ça bien aimé. On pas connait sous quel pressentiment ça tout. Ouais, ni Badio, ni Pierre Espérance. C'est des complices dans tout le président Jovenel Moïse. Gardez attaque Badio a fait. Et gardez attaque Pierre Espérance. Pendant tout mois qui sont passé là, Pierre Espérance toujours focus sous Badio. Badio, il pas jamais mon l'autre monde. Badio. Et gardez Badio sorti. Comment la saccage Pierre Espérance? Ou a dit ou c'est responsable organisation droit moun ou pas qu'on nous merde dans dossier et droit moun vrai. Attaque. Gardez bien. Donc là, qui ça, m'vin senti, c'est que c'est deux boss messieurs qui te mettent ensemble, et puis j'en ai jodi ya, vin gon problème, vin gon division, et puis yode ya, yon a tiré coup de flèche sous l'autre. Fais ce on continue, Tony. Donc, c'est ça, m'capable dit? Mais si tu es un de la gala, ma personne est sous et Joseph, c'est Félix Badio que la police a cherché, ou dit, la peli au niveau d'une zone pleine là et li, la circuler. Alors, non, on dit li très actif na pleine là, li très actif na zone pleine là, na zone et tabac
et gain en pile et plan qu'elle gain des plans qu'elle a mis tonné et avec un gros gang cap opéré et dans zone là et pour lui capable et retourner et en force et assemblé gain des gros autorités qui et te prend engagement avec lui et qui engagement ça au pas respecté et journée jodien et lui même avec équipe qui puissant en pleine avec cabinet avocat et dans tabac et y a mis tourner en pile plan et la bagaille a dit ou capable comprendre ni Badjo ni Pierre Espérance des chimpanzés mais jour va jour vient et tout menti pas fond c'est la gilage. Justice bon Dieu c'est cabot bœuf l'a collé quand même. Et Jovenel Moïse t'a annoncé nèg yo l'a croqué dans gauche yo. L'a croqué dans gauche yo c'est dernier président yo a touyé. Rappelez aux frères et sœurs bien-aimés, messieurs dames yo assassiné Jean-Dominique. Jusqu'à présent, est-ce que Jean-Dominique joue une justice? Qui côté dossier a fait? Donc c'est dernier moun yo assassiné dans conditions comme ça. Dernier moun Jovenel te parle yo la croqué dans gorge yo pour mettre tout ni dans la République. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est commencement de la douleur. Entendez, réponse Pierre Espérance, les journalistes là te posé la question sous relation Badjo ensemble avec famille président. Et bon, on est timide, si nous pas poser question, m'a pas précision, mais comme vous te posez question, m'a pas précision. Et oui, on t'a parlé et docteur Ariel Henry, pas oublier moi-même t'ai tout dit ça dans radio. Joseph Félix Badjo te gon proximité avec la famille présidentielle et Jovenel et Moïse et Martine Moïse. Et Badjo qu'on retrouve li non machine yo 3 Martine avec un gant Martine et Joseph Félix Badjo et cap conduit. Joseph Félix Badjo était pressenti comme ministre intérieur sous gouvernement Ariel. Alors c'est pas Ariel qui t'a choisi, c'était et Jovenel Moïse. Il était pressenti comme ministre intérieur. Et jodi a et semble relation yo pas tellement bien entre et docteur Ariel Henry avec et Joseph Félix Badjo. Et c'est ça que fait Joseph Félix Badjo mettel avec un gang qui très puissant et qui protège gang ça protège tout par des autorités dans l'état, pas n'importe autorité, et yo gen plan pour yo attaquer des autorités particulièrement et docteur Ariel Henry, et parce que et relation yo gen pas fin bon. Donc kounye la comme Joseph au nom impunité à Joseph Félix Badjo veut tourner en puissance, et pour moi même c'est normal, et par rapport avec une situation hier, ouais, par exemple sous pont nèg tan kou Léon Charles ou assassinat qui fait sous l'île là qui était contre toute bagaille, et puis journée je dis ah ouais li c'est ambassadeur Haïti dans l'OEA, et donc qu'on a Félix Badjo a posé cette question pour qui ça lui même que et ça engagement te prend avec lui pas respecter les pour qui ça pour lui même pour pas tourner. Donc c'est ça qu'il faut ouais, et la paraître il gagne couverture gang et gang pas petit, son gang qui gagne ramification dans l'état et puis dans la police là. Donc c'est ça qu'il faut ouais, lui voyer sommation ça, et ben là ou pas répondre qu'on y a pour citer où dans tribunal, et puis là paraître pour faire ça au besoin faire. Donc là, mesdames, mademoiselles et messieurs, nan qui est pour nous quoi? Qui est pour nous prendre au sérieux? Nous tous connaissons via Espérance son gros chimpanzé de la République. Badjo encore son autre gros mafia.
Jean Badio a parlé. Jean le prend seul pour mettre voice là dehors, c'est pas monde qui sous pression, qui sous émotion. Et qui contrôle la situation bon côté pas le même ensemble avec Pierre Espérance. Sac plus faible là c'est li cap passer, monde qui entoura c'est li cap passer. C'est moment on tend des déclarations. Résumé assassin Badio sous relation Pierre Espérance dit gagne ensemble avec famille président. Parce que nous pas moun, si l'homme haïtien te moun, si l'homme haïtien pas de cerveau grillé, il va être capable d'habiter dans Fatra, vivre dans Fatra, acheter dans Fatra, consommer dans Fatra et produire Fatra. Donc cerveau non c'est Fatra lié. Ok, monsieur cerveau clean, monsieur dimension divine, s'il vous plaît, en avance. Est-ce qu'il existe en Haïti une seule organisation dite de droit de défense des droits humains pour qui ça est NDDH à travers Pierre Espérance? Où sont les autres victimes dans la famille? Alors c'est aujourd'hui pour que ce seul Pierre Espérance que l'autre mon a relayé qu'a baillé des ordres côté mon ça yo qui te dit qui ose dit IE. Moi-même, je me dis que IE devant votre, moi-même, je dis FBI devant votre, moi-même, je dis la police devant votre, moi-même, je me brenne, non? Parce que depuis que je dis la loi, je vais pas appliquer, je suis esclave de la loi, je suis disponible. Mais depuis que c'est politique qui a fait, c'est bien malheureux. Moi, je ne fais pas politique, je suis professionnel, je suis technicien. Dans situation ça non enterré moralement peut-être mais physiquement si un cadavre qu'on a devant voyou un cadavre moi va arriver là et dans moment ça comme moi t'ai dit auparavant bah gan ken famille pas le dis pas le paraître pour mander corps ou bien quoi que ce soit yo tape très mal propre. Aucune famille ne pourrait pour mettre vim sous table là. Préparer bûcher nous si nous voulons. Et m'a vini by rendez-vous que nous voulons. Pour qui ça a une avis de recherche pendant ce temps de disponible, moi t'es là. M'a pas occupé un petit voyou, un petit volet. Vous comprenez, m'a bien dit que vous avez révoqué m'a ULCC. Parce que m'a dit long maintenant. Yo ministre pour me prendre l'argent dans main madame yon prisonnier qui est le Mackenson Philippe yon moun que gan pile dossier m'gen sous li et c'est moi te pour dossier en ayel c'est voilà que c'est jodi a n'a fait m'ta remen que kounya la les yon employé yon moun font problème ou désordre comme ça premier bagage confronter fait moun nan vini confronter prépare un dossier fait le signal laisse ça oui ou avant faire journal mettre dehors pour dire que mais depuis qu'il a été prendre décision m'a vienne sous et si vous considérez son menace m'a vienne sous mon gien petite gien famille pas faire des autres ça yo bon on nèg qui dit le responsable droit humain va me connu un élément dans principe fondamental de droit humain la marcher rouspété de média en média nous on pas dans l'accusé. Même dans la mort en président, il y a bien menti sur lui toujours parce qu'ils sont menteurs. Il était un menteur. Madame n'a pas menti, petite n'a pas menti, frère seul, mon qui dit au tes proches n'a pas menti parce que mon saint Badio c'est lui-même qui a là, qui l'a qu'on y a depuis au besoin merde au monde Badio. Et mais Badio disponible. Bye Badio rendez-vous. Côté nous voulons Badio abvin. En attendant, avec âme et conscience, si d'entrer à Jovenel, si même qu'on coule barrière Jovenel, côté ma pas la voilà, prépare un bûcher, bon rendez-vous, me prête pour me passer en holocauste. On va bien être en enquête juge. Disponible, bon endroit que nous voulons, m'a venu
Dans la métaphysique des mœurs, le mensonge est considéré comme un crime contre l'humanité. Dans ce dossier où tout le monde ment, les menteurs sont les seuls responsables de ces différentes allégations. Dire la vérité n'est donc un devoir, messieurs. Deux remarques qu'il me fait. On vit qui passe mes deux mensonges pour arnaqueur ça. Ils utilisent moyens pour éteindre ville opération d'hier. Et les médiacrates de ce pays, ils utilisent mensonges pour cacher la vérité. Accusations ici et là, même sa propre famille, accepte sans se prononcer sur des allégations fantaisistes de leur relation avec l'un des présumés assassins en la personne de Joseph Félix Badiou. Et ses amis, famille, l'habitude fréquenté Kaila, après a forfait à l'entrée des fois dans Kaila, l'hypothèse âme, l'argent et document. Mais si nous ne pouvons pas connaître qui document le dépoté, si nous ne pouvons pas connaître l'argent le volé, mes âmes dans mes amis, des CBJ, au moins, non rapport bêtise comme sa politique. Nous te dois dire, mais combien d'âmes qui te gagnent à la cour à président, mais combien de récupérés, mais combien de perdus, là, ça va te dire vraiment, oui, reste là, non, mais pas du bon, moi, jusqu'à présent, jusqu'à ce que je pouvais m'inscrire en faux, rapport ça, pas fait dans le DCPJ. Pas bon monde dans le DCPJ, qui prend formation. Qui a permis et osé écrit, signer un rapport, ça a son document politique, clairement écrit et discuté, nettoyé avant de publication. Nous prenons l'argent, mais nous avons mal fait le travail là, monsieur. Donc moi-même, mettre vim sous table, qui me réduit en 100 dents, c'est la dernière fois pour bailler sa fête dans le pays d'Haïti. Que même mouche pas jeune reste comme pour yo piler. C'est dernière fois, négici ta bêtise avec image moun. De mes jeunesse, moi, de mes compétences, moi, dans le pays. Je dis à nous choisir, c'est comme ça, vous nous connaissez, nous café avec nous. Ça fait nous bailler menti, nous à l'aise, vous entrez la caille, nous, nous couchons avec madame, nous prenons plaisir, nous allons dans le club, parce que nous avons une grenade bombe qui est tombée dans l'estomac. Et bien, moi-même, je mets vie, moulou, le cosa à partir de là. C'est fini. Nous mettons préparé. Nous avons cherché, qui ont dit dans le cabinet, pas le 20, ont dit dans la montagne noire, nous allons dans la rue. Nous avons qui connaissent la politique, qui ont le courage politicien, nous avons venu attaquer. Mais tant qu'à Roupière Espérance, tant qu'à Roupière Espérance, qui a dégagé mauvaise odeur, mouche gen pour suivre et me répéter prendre pour salir mouche gen pour suivre et samedi si c'est moi en tort c'est moi pour passer monde qui en tort a supposé passer depuis me connais me fréquenter Ariel dans résidence officielle il faut me passer depuis me connais m'te entré kaye président m'dal pran bagay moins supposé passer depuis m'konn fréquenté avant pendant et après m'te konn fréquenté coupe présidentielle là moins supposé passer mais si tout ça dit ou pa ka prouvé yon c'est vérité mouche gen pou suivre vous espérance. Mauvaise odeur qu'on a dégagé avec tout le monde qui a accepté qu'on a baillé menti dans tous les médias. Tout le côté passé. Il est complice avec vous dans la mort juvenile. Et je répète, sans en bas, j'apprends les gens qui veulent, la façon qui veulent, j'ai compris les gens qui veulent. Tout le monde qui choisit pour faire propagande, ça y est. Je ne vais pas dire malédiction pour vous, non? Parce que malédiction, il y a vivre déjà dans le pays là.
Trois fois passé là, c'est le dernier qui reste voir. Je perdis ma vie, je lève, lève, bagage ou là. Ah, ouais, là, frères et sœurs. Bien espérance ensemble avec, bah, Dieu, c'est des magiciens rivaux. Et des mouns qui ont même limite. Et, dernièrement, mesdames, mademoiselles et messieurs, rappelez-vous, nous avons lu une prophétie pour. Prophétie, ça, c'est depuis sous Jean-Claude Duvalier, l'île dans le pays d'Haïti. Moun qui dans tête pays a gagné pour mourir à cause de yon trahison. Et me senti c'est ça qui a vini là, oui. Me senti c'est ça qui a vini là. Moun qui a dirigé pays actuellement. On est bien. Gagné pour tomber à cause yon trahison. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, en pile autorité dans le pays d'Haïti, qui est pour yon paroi 2023. Et chan bagay l'a déroulé là. M'pa yon prophète malè, même ouè pral gen rel dans le pays d'Haïti. Sauf ça m'ta souhaité, et m'a demandé bon Dieu, t'en prie papa, protéger innocent yo. Protéger innocent yo, pour yon pas victime. Parce que ça bien aimé, insolite nous pour journée jodi a bon c'est tout côté bagay yo aggravé tout côté bagay yo aggravé donc pendant nan la oui frères et sœurs bien-aimés et puis gon cloti moi quelques photos là que là dedans et puis me font coup de pied mal regarder ça qui écrit moi regardez bien révélation de la parole de Dieu dans le rouleau du livre il est en question de moi. T'aimes le caleçon en dommage. Oh, ouais! Non, l'évangile, s'il vous plaît, mes amis. Stress. Attaque à fête dans le pays. Mais, kounia là, frères et sœurs bien-aimés. Non, franchement. On me saisit. Le caleçon en dommage de la révélation de la parole de Dieu. N'est-ce Thème, le caleçon endommagé. Bon. Moi, l'évangile va vous quitter, mes amis. Moi-même. Comme la Bible doit obéir sans comprendre qu'on y a la m'gal fait discussion à l'évangile. A discussion ensemble avec frères et sœurs. Le caleçon endommagé. Mais c'est quoi l'histoire? Jésus m'dou vini. Sou pas vini ma poulop. Et ça que faut m'rete là, c'est parce que moi, bah, Dieu paraît prêt tête li. Faut m'gézé en un bon petit mami d'avant m'débarqué. À la traka pour la vie, papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pays les États-Unis d'Amérique, mes amis, bagay yo chaud nan men. États-Unis ap cherché pour louer comment l'te capable de joindre nan commencement mois novembre nan. Yon pays qui voulait prendre tête force militaire en Haïti. Et après tout, si yon te capable de joindre votre résolution nan Conseil sécurité a. Et puis bay force la direction. Selon Brian Nicole. Fossa doit gen principalement policiers ensemble avec quelques éléments militaires. Bon, ça passe les États-Unis. Les États-Unis actuellement là a joué un rôle senti un sans bouc dans dossier crise pays d'Haïti. Bah qu'on est si nous remarquer ça. Les États-Unis se viré la viré dans senti pays d'Haïti, c'est senti un sans bouc lié. Parce que Jean Bagay là est là, il n'y a pas de fourre pied, il n'y a pas de fourre col. Élection pour le fait là, Kaeli. Ça n'a pas un gros coup pour Biden, tout le monde a pris les pieds. Et ce n'est pas la première fois les États-Unis ont responsable mission dans le pays d'Haïti. Et même si vous tendez l'ONU, les États-Unis d'Amérique influent aussi sous l'ONU. Parce que c'est la première puissance mondiale. Donc, je ne jodi, crise multidimensionnelle pays d'Haïti a koné. Les États-Unis pas ka aller font la courir dans ce pays d'Haïti. Ma konn ki eske bouk avan si Haïti ou bien les États-Unis. C'est pas première fois y a organisé mission pour venir mettre la paix dans pays d'Haïti. Ou rappelez ou te gon général dans pays Brésil qui te touye tête li dans pays d'Haïti. Yo débarqué dans cité Soleil, yo voye yon équipe bandi dans cité Soleil, frère, c'est ça, yo, désarmé, tout militaire, yo, yo mette messieurs, tout, ni yo, fait, yo, sorti.
Monsieur Fizier tête li parce qu'il ouais son honte, c'est pas première fois les États-Unis a prend baf dans dossier dans pays d'Haïti. Maintenant kafou nous rive là frère c'est ce bien-aimé, m'a clé ensemble avec vous. Seul monde qui capable font bagay pour Haïti. Seul monde qui capable retirer Haïti dans salier là dans crise multidimensionnelle ça, li rele haïtien. Pas gen l'autre pays, c'est haïtien pour retirer tête li dans salier là. Parce que bagay la compliqué. Et depuis, Léo vini ensemble avec discussion à la France dit s'il vous plaît, pas mêler m'nan bagay comme ça. Et la France tout pas ta ka mêler parce qu'elle connaît bagay la patap douce même pour lui. Avec dossier et esclavagiste, ça pral remonter dans les gwenni encore. Dette de l'indépendance, ça pral passer pral encore. Donc la France ta pral passer un mauvais moment dans la ville là. Il tout dit s'il vous plaît pas mais l'aime nan cause comme ça non m'a regarder m'a suivre les opérations mais moi même non il pas nan bagaille comme ça Canada nan jour passé qui te fin chaud devant ban nan jeune jodi a la faire réticence parce que bagaille la dit les États-Unis lui même la fait 34 li ensemble avec lui l'a demandé qui pays y a cherché jusqu'à commencement novembre nan pour yo ouais qui pays qui voulait seulement débarquer et puis il y a bon responsable pour cela et puis pour aller mettre sécurité dans le pays d'Haïti à la traka ou la vécaïté dans le pays ça. En tout cas mes chers haïtiens, problème pays d'Haïti c'est nous, guéri pays d'Haïti c'est nous, résoudre problème pays d'Haïti c'est nous. Donc nan kafou nous rive là, pas gen l'autre nation qui capable vinn fon bagay pou nous. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre responsabilité nous pour nous retirer pays nous en salier là. Voici ça bien-aimé, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Mes amis, bagaille là du pour juste chili monsieur pour garçon apprend coup. L'aime moi monsieur a crié franchement penser c'est déclaration badio qui fait monsieur a crié. L'aime proche puis frères et sœurs. À toi pour femme pour chilou qui t'es nèg là a bien occupé. Et pour venir République Dominicaine, ma chérie, si toutefois vous regardez vidéo ça, soit un garçon qui a crié comme ça, alors il a fait le mal, il est remonté chouchou. Parce que dans le jour qu'il vient, il y a un raté garçon, son j'aime dire nous ça, mesdames, ça nous gagne, mais nous on protège. Mes amis, messieurs, crier derrière de l'eau, derrière la rue, frère, c'est ça. La peine aux garçons, c'est pour tout garçon. Donc, des fois qu'on a des femmes qui viennent supporter, donc moi-même, m'a supporté, entendez. Qui sa citoyen t'a dit pendant le t'a crié, Francis? Je n'ai eu qui fait ça. Moi, les yeux d'un mec, je sais pas pour miser, ni pour pas pour un coup. Je sais pas pour un coup, chérie. Des gars qui pour, tout ça, des gars besoin, des gars et d'eau. Ou mettez me camper, si j'en dis à gars qui t'y goûte, c'est où boutez un combo pour vivre à qui t'y goûte là, m'a aidé, puis t'aimes des gars et d'eau. Même si on des gars qui ont comme sol, ça c'est $1,000. M'demandez $1,000 l'année ou pas capable. M'a aidé dans mon homme, ça a aidé. Vous pas de gars choisi pour aller se tomber, soit avec les se tomber, j'ai eu, pour qu'ils soient fait dans le cahier, catastrophe naturelle net. Pekay, mes amis. Qui prend soin? La bataille pour le fond si prise pour vous. Ou fait si prise avant? N'est la bataille pour le faire fia si prise, monsieur. Fia fait le si prise avant. Mais nous, les femmes, j'en nous fais comme ça, même. J'en nous fais comme ça. Adieu la vie. Garçon, courage, attendez. Courage. Courage, amende mal pour les courage, garçon. Mais femme la prière, bon Dieu, contre tout le bagaille. En tout cas, papa, ici, j'aime toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la république des coquins, celle volée capri. Qui vivra, verra, qui mourra, caca.
Voulez-vous casser cet épita? C'est ça bien aimé pour l'autre dossier qui méchant encore dans le pays Haïti. Alors, m'bral faut comprendre qui ça t'a fait monsieur yo. Toujours t'a dit Jovenel ou son timentin. Et ou capable ouais, badi yo déclaré. Jovenel son menté, madame ni son menté, petite ni son menté. Pral permettre ou découvrir vérité ça. M'espérer ou pas rater émission c'était et non seulement ça tout. Réunis moun bon la kay ou partagez nouvelle là ensemble avec vous ou yo pas rater séance ça. Li causer pour dans la République. Mesdames, messieurs, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer aux actualités. Mais nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté que gros crise carburant qui a saccagé pays a fait que les États-Unis voient gaz by ambassade américaine dans Port-au-Prince à travers avion qui atterrit dans l'aéroport Toussaint L'Ouverture. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Depuis dimanche qui s'est passé là, aéroport international Toussaint L'Ouverture recevoit chaque jour deux vols US Air Force. Avion militaire américain transporte gaz pour capable alimenter ambassade américaine selon information nous joignent sur place. Militaires américains souvent accompagnés de corps sapeurs-pompiers aéroportants dans livraison gazlan. Opération ça a continué dans l'aéroport international Toussaint L'Ouverture juste dans commencement mois novembre 2022 qui a venu là. Pays a fait face à une rareté gaz depuis près de deux mois. Pendant temps ça, bandi Axam bloqué Varo qui c'est plus gros terminal paysan. Pendant qu'il a réclamé démission Premier ministre Ariel Henry. Dans un moment côté insécurité, violence gangyo, sans compter situation humanitaire qui vient plus grave, agence États-Unis pour développement international USAID déploie tout yon équipe élite intervention 6 ou 4 à gain catastrophe dans paysan pour capable répondre à besoin humanitaire pressant yo. N'a souligné aéroport international Toussaint L'Ouverture pas attiré grande foule dernier temps ça yo à cause situation malouque paysan. Passagers qui pas entré plongé dans chômage. Association chauffeur guide touristique dans l'aéroport qui habitué transporter touristes les entrant dans le pays. Pendant temps ça, proposition États-Unis d'Amérique qui mandé dans Conseil de sécurité des Nations Unies pour déployer une force sécurité internationale dans le pays à brûler l'huile. Selon information journal Miami Herald qui citait diverses sources, aucun pays pas porté volontaire pour ta fournir troupes dans le pays jusqu'à présent. Selon journal là, États-Unis pas gain capacité pour motiver Conseil sécurité à sous nécessité pour voyer troupes dans le pays d'Haïti, t'assemblée envisager faire retrait sous décision ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. L'autre point dans actualité à ces réactions qui continuent de tomber après attaque qui fête hier mardi 25 octobre là sur journaliste le Nouveliste Robertson Alphonse. Nouveliste qui présentait incident comme une tentative pour assassiner journaliste. Ça fait qu'on est que présentateur vedette programme Planète Magique là, eh bien l'a récupéré alors que il subit deux opérations hier mardi et même jour incident là. Donc ça veut dire qu'il y a pile monde qui croit que son attaque qui fait contre liberté la presse, liberté la parole dans le pays d'Haïti, ta communauté capable d'entendre Guilherme Cédelva qui c'est secrétaire général SOS journaliste et il dit que gain l'autre suite qu'a bail à incident ça. Et puis toujours sous même dossier, gain Jacques Desrosiers, secrétaire général AJH Association journaliste haïtien, il mandé autorité en place pour prendre décision nécessaire pour sécuriser et à garantir droit journaliste haïtien qui souvent victime dans exercice professionnel. Correspondant nous Ronan Toussaint parler avec responsable. L'année 2022 ça pas bon dit tout par rapport à travail journaliste haïtien yo. Après double assassinat Will Gaines, Louis Saint ak John Wesley Amadi la boule 12 6 janvier 2022, Maximène Lazare 23 février 2022 qui t'a couvri manifestation sur route aéroport Port-au-Prince. Disparition Tyson Latigue avec Frensen Charles, Cité Soleil, 11 septembre 2022, avec Gary Tess, qui était disparu depuis 9 jours que yon jouen cadavli, 24 octobre 2022, dans Ville Okay. Dernier en date là, c'est journaliste Magique 9, avec le nouveliste Robertson Alphonse, qui est secrétaire général Association Journaliste Haïtien AJH, Jacques Desrosiers, condamné, et puis mandé autorité en place, assumé responsabilité. Yo. Nous condamnons Zaksa son acquis révoltant en convoi qui prouve comment la situation journaliste est compliquée et c'est en Haïti.
nous condamnons exact ça et nous demandons aux autorités pour dégager au commun de Jean-Jacques, pour chercher, identifier le monde qui est auteur exact ça et traîner devant la justice. Autorité en place n'a pas adopté aucune mesure nécessaire pour garantir sécurité travail et la pression. Hier mardi 25 octobre 2021, un groupe policier qui t'a cherché à arrêter un militant politique sous champ de masse, crasé avec balle caméra, journaliste caméraman, télévision nationale d'Haïti, avec radio télé Bacandal, Joseph Michaud qui était dans l'exercice professionnel. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan, toujours sous même dossier, la presse là dans le département sud, plus précisément dans la ville Okaï. Yon groupe moun prend la rue pour demander justice pour un journaliste qui mourit. Correspondant nos gens Ernst Eliskar, gen détail. Population Foucault, 4e section, Laurent, commune Okaï, découvrit corps sans vie. Animateur émission débat politique qui passait sur Radio Le Bon FM Okaï, Tesgari, après 7 jours de quitter Kaili. Ses frères victimes nan Vanotes ak madame Tesgari qui t'est arrivé identifier cadavre là qui t'est défiguré. En réaction, un groupe moun nan Okaï t'est prend la rue. Jeudi mardi 25 octobre 2022 a pour demander justice pour famille victime nan. Bilan, un jeune garçon blessé ak balle pendant mouvement. Protecteur citoyen Maître Renan Edouville dans une note li publié condamné assassinat ça et mandé instance qui concerné yo pour prendre toute disposition pour assurer sécurité travailler la presse yo n'a signalé chef paquet Okaïla déjà l'ouvri yon enquête sous dossier côté écrit digicel pour mandé faire joindre tout numéro qui t'ai parlé à Tesgari mardi 18 octobre 2022 ya. Jean-Ernst Eliskar, VOA Créole, Okaï. Ou toujours sous VOA Créole, observez un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Donc, après-midi encore, comme d'habitude, 5 à tapant, n'a pas tant nous pour l'autre édition, troisième mi-temps. N'a pas retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti, activité gangue continue à avoir un impact négatif sur l'activité plusieurs secteurs dans la vie nationale. Massado Vilme, c'est correspondant nous, dans Port-au-Prince. Activité gangue dans pays Haïti mettait sous soulèvement populaire qui déclenché dans pays ak yon crise sanitaire pour ne citer ça ou seulement paraît sans conséquence sur la vie quelques professionnels. Akenson Belize, yon promoteur haïtien très populaire tout monde connaît sous nom Zagalo, a expliqué que j'ai situation ça affecté. Pas gen moyen pour me produire et puisque si me produit li bon droit pour me payer espace là faut me garantir que m'a gen monde t'a sorti li bon droit et faut moi payer promotion faut moi payer groupe yo si c'est un groupe à l'extérieur de pays a dans diaspora faut me payer billet d'avion tout ça aussi pas garanti m'pa ka produire un spectacle mais nous pas ka faire semblant pour gouvernement nous pas ka faire semblant pour population puisque nous même tout c'est comme ça nous payer bill nous si nous investir dans spectacle n'expect que nous joignons un public qui est en grande quantité et qui répond et pour nous capable payer billet donc si nous pas un pays une atmosphère qui bon nous pas capable faire. Il y a une situation qui n'est pas différente pour les artisans femmes qui est spécialisée dans confectionner bijoux. Moi, c'est Jessica Desvieux, mais allez, moi, j'ai un copain moi qui c'est Rose, créatissu, qui fait des bijoux et accessoires en tissu. Et moi, on fait activité ça depuis novembre 2017. Ben, normalement, oui, la situation pays a fait grand impact. Et des fois, nous, on a envie de décourager, mais j'aime tout là, pour faire artisanat et gain des bagages pour faire, faut qu'on ait passion, faut qu'on remet. Sinon, si on ne parle pas, passion ou pas travail oui touriste pas entré oui pas gain activité fort qui fait mais nous toujours travail parce que c'est ça nous aimer c'est ça nous aimer faire en tant que femme parce que femme nous connaît nous très persistant nous très persistant donc c'est ça me fait oui situation pays a fait bailo pas marcher gens ou ta doué marcher mais nous toujours travail nous toujours font gens nous motiver pour nous travail nous toujours poster et nous pas vendre en quantité mais nous même tout nous toujours continuer travail et nous faire produire nous vendre avec toute catégorie de monde à quelques jours fait guider nous pas remarqué aucune affiche qui annonçait activité pour déroulement festivité si là depuis Port-au-Prince. Moi, c'est Massado Vilme, ou VOA Créole. Merci, Massado Vilme, ou toujours sur VOA Créole, ou suivi un programme en langue créole haïtienne.
actualité électorale par Boycott aux États-Unis, eh bien, débat a fait alors que PIA a pris direction élection, ça aurait l'élection mi-mandat qui fixé pour mardi 8 novembre 2022. Il y avait Valério Saint-Louis, Valério qui est en studio avec nous. Et Valério est dans New York et il y a un débat qui fait hier soir et c'est parti débat. Débat est très intéressant, Jacqueline. Débat sous justement pour chaise gouverneur dans la Cour New York. Un débat qui est important. Parce que ces deux candidats qui yon en face l'autre, nous avons actuel et gouverneur, qui c'est Kathy Hochul, qui lui-même, eh ben, l'a gardé pour rester Kachita sous chaise bouée, arrêter Chita face à Liz Elden, lui-même, qui t'a remé prendre place. Donc, c'est un débat tellement intéressant qu'un pile monde t'a suivi. Et faut nous dire tout que dans le débat ça, et yon chute sous l'autre, Jacqueline. Yon chute sous l'autre, et débat intéressant. Et c'est comme ça que nous pourrons aller dans le débat ça, dans le reportage que nous avons gagné. Côté que, eh ben, républicain avec démocrate, il y a Petro qui connu, mais faut nous dire, c'est un État qui en majorité démocrate et fois ça, grand républicain qui t'a aimé prendre chaise. En gade. Bataille pour chaise gouverneur New York, là, dans l'élection mi-mandat qui presque arrivé pour monde à voter, jour mardi 8 novembre, ça, continue à chauffer. Dans un débat télévisé entre actuel gouverneur New York, là, Kathy Hochul, face à candidat républicain Liz Elding, monde qui pral voter, a eu chance de découvrir deux candidats. Débat est déroulé sous plusieurs thèmes, coure criminalité, avortement et attaque sous Capitole américain. C'était seul débat télévisé ça qui était fait dans la campagne électorale là pour post-gouverneur dans l'État New York. Candidat Kathy Hochul continue à attaquer Liz Elding sous question avortement et support pour ancien président Donald Trump. Pendant que Elding, beaucoup de parles, te promet pour annuler réforme justice criminelle libérale, elle était lui-même critiqué Hochul parce qu'elle était en faveur pour le voter plus. Plusieurs millions de dollars par organisation qui fournit service avortement, ça qui crée une augmentation de la quantité de patients qui soutient dehors l'État New York là, pour y venir faire avortement. Beaucoup de marqué point sous Elding comme candidat qui était nié élection présidentielle yo, et puis qui était nié changement climatique là. Pendant que t'es essayé connecter candidat républicain avec Donald Trump qui beaucoup t'es parle pas fin toi gain support moun New York yo. Dans moment côté modérateur débat t'es demandé candidat Elding s'il t'a voté contre certification résultat yo encore, Elding pas répond directement oui ou soit non. Knowing what you know now. Lors qu'on est ce qu'on est jodi a, est-ce qu'on t'a toujours voté pour certifier résultat élection 2020? Elding répond, vote là t'es fait sous deux états, Pennsylvanie et Arizona. Et puis problème n'a toujours été même genre aujourd'hui. Soit gain un moment, c'est plus urgence dans affaire la santé avec des désastre naturel. Constitution a dit que c'est législateur l'État yo qui pour gérer administration élection dans état pa yo. Il continue pour dire que le veut concentrer sur l'avenir et puis goumen pour instaurer loi sur identification voteur yo pour protéger intégrité dans élection yo. You basically heard Lee Zeldin say he would vote once again to overturn a presidential election. Nous entendez, Lee Zeldin dit que l'État voté une autre fois encore pour renverser une élection présidentielle. Moi pense que c'est un bagage tout le monde te doué qu'on est. Dans le temps de débat, Kathy Hochul te demande Elding. Is Donald Trump a great president? Est-ce que Donald Trump c'est un gros président? Réponds-nous, oui ou soit non. Zelding t'est dégagé dans la question, il t'est fait loin du politique Donald Trump, là, sorti dans le dossier peuple Israël, là, passé sous politique frontalière États-Unis, arrivé sous façon de gérer pandémie Covid, là. Et puis, les modérateurs t'ont demandé Zelding, s'il t'a pas accepté résultat élection, s'il t'a perdu, Zelding t'est répondu. If you lose this election, do you promise to abide by the results? Well, first off, OK, avant perdu, c'est pas une option pour moi. Deuxièmement, jouer ensemble à question hypothétique, m'a répond nous, oui. N'a pas rappelé que Kathy Hochul, c'était ancien gouverneur adjoint État New York, là, qui était prend poste gouverneur, après que prédécesseur, Andrew Cuomo, était démissionné. Candidat Hochul vient de gros avantage sous Elding dans plusieurs bureaux de vote pour élection mi-mandat, selon certains observateurs. Candidat Elding, beaucoup de parler, c'est un député républicain pour zone Long Island, là, qui était passé en pile année à Goumen contre une série fusillade à Claude crime violent, attaque sans provocation contre passagers dans Trainville, New York, là. Il était un concurrent solide qui jouait un support dans un gros parti électoral qui n'a non État New York, là. Il y a quelques sondages qui fait qui t'a suggéré que pas ta grande différence entre candidats yo dans pourcentage vote yo. N'a précisé tout que dans l'élection mi-mandat dans l'État New York, gagne un pile haïtien américain qui dans course là. Valério et un pile haïtien américain, c'est pas seulement dans New York mais l'autre côté autour, mais New York là tournait yon côté spécial pour haïtien parce que grand pile en pile haïtien, mais qui ça est nan, par rapport à candidat haïtien yo. Candidat haïtien yo d'abord ou bien, faut nous dire américain d'origine haïtienne. Oui, tout à fait, on préciser. C'est ça, haïtien américain et j'ai relé yo et ben grand pile nan yo et yo nan élection tout. Élection mi-mandat ça, yo très présent et yo certainement courir là puis yo capable kembe siège. Faut nous dire, n'a répéter, n'a préciser que New York c'est a priori un état démocrate. Mais nous ouais, nan course et gouverneur depuis après 2006, c'est première fois que nous ouais selon sondage yo, et ben après que gouverneur Pataki lui-même
te prend chaise bourréa comme républicain nous dit fois ça c'est un républicain qui essaie à manier siège là pendant que Kati Okul lui-même voulait qu'elle pour retourner sur question là candidat eux-mêmes haïtiens américains yo gien pile nan yo gien Mercedes Narcisse gien Rita et Joseph gien et un jeune encore qui lui-même enfin gien plusieurs mais ça yo que me saute citer là yo c'est des monde qui dans Brooklyn qui c'est bastion communauté haïtienne dans Brooklyn yo très m'ta dire très présent et yo gien pile chance pour yo passer parce que évidemment yo démocrate d'abord et puis une communauté haïtienne tout qui est très actif qui est très présent dans les affaires politiques New York là qui certainement pourra voter pour candidat ça donc ça va être très intéressant qu'on a suivre il a précisé que VOA que l'a sous place pour élection on a fait des spéciales émissions on a couvert élection un peu partout élection mi-mandat certainement on a couvert tout dans la cour New York on a porté des tas d'informations pour moi dernièrement pendant New York où t'es parlé avec quelques candidats qui qu'on y a participé dans l'élection il y a participé justement par exemple et Mercedes Narcisse notamment Mercedes Narcisse qui d'ailleurs dans le district côté lié à la pour moi même c'est une figure politique haïtienne qui est très populaire dans zone ça ici en américaine on précise pour qui ça parce que nan côté lié district côté lié là c'est première fois que il est arrivé jouer une chaise là elle tape bataille longtemps pour chaise ça n'a prend tout par exemple Rita Joseph qui dans district pal nan tout et c'est une figure qui montait comme femme et il remplacer justement un haïtien qui était là déjà donc on pensait que et candidat c'est très confiant et puis bon confiance en tout c'est parce que démocrate et comme on connaît Jacqueline est à New York là son état a priori au départ son regard démocrate. Donc il est censé prendre facile pour eux. Mais c'est élection, c'est je mardi seulement que n'a connait, je mardi 8 novembre ça que n'a connait effectivement qui gens et ben résultat élection à pied. Donc téléspectateurs comprennent que VO à créole n'a présent plusieurs côtés, Valério à New York, oui. Bien que Valério avait nous Washington connait oui, mais là oui. New York pour dire nous tout ça qui a passé New York. Mais il y a un bagage que moi en pile haïtien leader haïtien dit que il y a regardé pour dans quelle mesure que communauté haïtienne est capable de faire plus pression sur le gouvernement et américain par rapport à ce qui a passé en Haïti. Qui est la communauté haïtienne dans lui-même et par rapport à une idée comme ça? Oh, il est très intéressé, il est très concerné. Nous, on que les gens sont différents. Et fois que yo par exemple, devant Nations Unies, yo dans la rue Brooklyn, il a manifesté, il a fait un dévoi parce que simplement, différents problèmes qui ont passé à Haïti ont reflété sur tout dans New York, surtout dans Brooklyn. Et pour New York, il faut nous dire que et lui ça yo qui jusqu'à présent chita sous chaise bourré pa yo pour la élection mi-mandat yo tout yo même tout yo concerné à travers organisation faut citer non li qui est les Nyon qui c'est une organisation qui réunit majorité et ben élus haïtiens américains aux États-Unis d'abord comme il y a en pile dans New York donc yo présent yo pensé à ça qui passe en Haïti a gien qu'a organiser soit des réunions des conférences et des chita attendez sous question haïtien donc c'est sûr que ça qui passe Haïti a profiter sur toute question surtout question gang, surtout question bandit. Hein. Donc, il est très présent. Donc, je pense que dans l'élection, ça a tout. Et pour l'électorat haïtien, puisque on dit que ce n'est pas une élection seulement pour haïtien, c'est une élection aux États-Unis. Mais pour l'électorat haïtien, ça peut jouer en faveur des candidats qui, par exemple, t'es très, et t'es prend la parole, t'es très vocal, on nous dit, dans prise de position vis-à-vis de sa capacité en Haïti, Jacqueline. Merci, Valérie. Je n'ai pas dit Valérie pour ne pas quitter nous. Je n'ai pas dit ne pas quitter Washington du tout. Mais en attendant, je n'ai pas dit pour le programme ne pas quitter nous. Je n'ai prêté toujours. Dans ici aux États-Unis, gon l'autre point qui dominait actualité et nous allons rejoindre Serge François Michel qui lui-même quittait Floride qui avait nous dans Washington DC. Gen un groupe démocrate qui présentait tête comme démocrate progressiste qui fait une lettre sortie mais rapidement et entre lui Fred et Serge François Michel dis-nous non, ça que dans lettre ça au juste. Bon, Jacqueline, il faut dire que l'être l'a dit que faut que les États-Unis changent de façon liée à la guerre dans l'Ukraine. Et que faut que faire aux gens pour faire diplomatie parce que la guerre cause en pile, mon a mouru, mon a souffri. Et qu'une crise grand coup qui pétait en pile côté parce que pas gagné assez manger et puis prix gaz a monté. Donc, nous attendons plus de détails et puis après, nous retournons, ça dit Jacqueline. 30 démocrates dans le caucus progressiste chambre représentant États-Unis ont rentré en lettre quand ils ont exhorté Maison-Blanche pour négocier une entente pour mettre fin à la guerre à Russie dans l'Ukraine. Non, d'après ça, la tête caucus-là, député Pramila Jayapal, fait qu'on est mardi 25 octobre. Là. Caucus progressiste dans le Congrès a rentré l'aide et dévoué dans Maison-Blanche, ça n'a pas gagné longtemps. Sous question Ukraine, non. Si ça, Jayapal dit dans un communiqué, il y a ajouté
L'être là depuis plusieurs mois, mais malheureusement, quelques employés bureau ont été publiés sans poser question sur lui. Dans une lettre, le journal Washington Post est premier rapporté. Parlementaire Audi et fort diplomatique a dû entrer dans les gens États-Unis aborder question pour mettre fin dans la guerre. L'être là te dit, guerre a un effet catastrophique sur le peuple Ukraine et menace la distribution manger dans le monde là. Et a déclenché crise misère à cause de prix carburant d'arrêt qui a monté. Dans le monde là, Serge François Michel, VOA Creole. Et Serge parlait, et qui dernier développement oui. Gain sous CASA? Parce que les démocrates ont demandé pour le président Joe Biden pour négocier directement avec le président Poutine. Donc, il semblait que il fait back sous l'être là, d'après ce dit. Bon, tout d'abord, faut nous dire, Jacqueline, que le député qui était à la tête du mouvement écrit l'être là, c'est Pramila Jayapad, il dit que lui prend responsabilité pour l'être là qui sorti, même l'être sorti par erreur. Il dit que c'est un employé qui mettait le pas dit, il va dire yon, mais il y a un employé qui mettait le d'ailleurs par erreur. Et lui-même, il prend responsabilité pour erreur qui passait. Mais il y a un point commun. Entre le premier lettre là avec deuxième là, qui annulait première, il dit que toute guerre finit avec négociation et que guerre ça tout guerre pour finir avec négociation. Il dit tout que mais ça qui est différent c'est que il dit la finir avec négociation mais après victoire Ukraine. Donc ça veut dire ça veut dire. Merci Serge François Michel qui était en Floride, mais qu'on y a qui retrouve nous dans Washington DC pendant ce matin, ça fait nous plaisir. Même gens avec Valérie Saint-Louis, on dit que président Tukla, Recep Tayyip Erdogan, lui-même lui dit que eh ben président Poutine est plus sous négociation que dans le commencement. Et guerre là, et lui dit que lui croit que puis bon bagarre là, c'est d'ajouter nos négociations. Pour finalement conflit ça ta fini fond dit Dimitri Peskov qui c'est porte-parole et Kremlin on a parlé de ministère affaires étrangères et russe là et ben il a même il dit que président Vladimir Poutine depuis le commencement conflit il était toujours sous et négocier avec Ukraine donc une situation qui est très compliquée pendant ce temps il menace tout que la Russie t'a utilisé des armes nucléaires. Et président Joe Biden, on l'autre fois encore dit que, eh ben si la Russie t'a utilisé les armes nucléaires, c'est un gros erreur que t'a fait. Donc c'est toujours une menace qui est toujours là, mais États-Unis toujours Québec, même position. Il dit que pas bien gagnant dans une utilisation des armes nucléaires. Donc une situation que n'a pas subi parce que Ukraine toujours été non. Actualité. Ou toujours sous VOA Creole, ou à suivre un programme en langue créole haïtienne. N'a pas retourné dans le pays d'Haïti, côté que nous prenons dans le département Grandens, plus précisément dans la ville Jérémy, côté plusieurs organisations femmes et réseaux organisations jeunes, ils ont même été réfléchis sur un paquet de gros problèmes que les gens ont confrontés. Nous sommes sous place, correspondant à nous, Mackinson Charles, la parle avec nous depuis la ville Jérémy, dans le département Grandens. Dans une rencontre avec une exposition qui arrivait faite dans le local Cadedoa Peters, dans la ville Jérémy, journée lundi 24 octobre 2022, plusieurs organisations femmes paysannes, organisations femmes, organisations jeunes et réseaux, organisations qui sortent dans la commune Bonbon, Chambellan et Beaumont, qui te mettaient tête ensemble pour réfléchir sur la situation femmes dans la commune face à problème la mangeaille, rôle femmes dans l'économie sociale solidaire et durable dans le milieu rural. Dans l'occasion journée internationale femmes rural, qui célébrait chaque 15 octobre, t'es arrivé sorti avec une déclaration qui porte le nom Déclaration Femmes Paysannes Gradancio. Kangas Mila, coordonnatrice AFPB dans Beaumont, Bayon extrait. Depuis après cyclone Mathieu, condition la vie femmes paysannes dans Gradance, vin pire grave chaque jour. Mettez sous ça, phénomène insécurité, kidnapping, prix gaz qui augmente et qui vin pire mettez accès sous clou. Qui la cause manger femme paysanne yo a fin pourri dans jardin. Kek nan yo pas cacher indignation yo dans occasion si là. Parce que nous c'est mon dehors dans l'école nous pas ca jeune travail l'état bloqué pays à l'en nous. Jodi a après le mois pour rien qui ferme l'école. Qui peut payer social à manger pour lancer appel ça à chef gouvernement. Nous demandons est-ce qu'il va passer l'école qui fait le propre pays ça toi sur elle comme ça qui fait l'école pas qu'à ouvrir on y est pas qu'à fonctionner malheureusement pour un grand coup tout le monde finit dans le pays d'Haïti nous dit s'il vous plaît débloque.
bloquer pays à pour nous parce que nous pas capable. Dans pays au moins 35 à 40% produits nous fait produits agricoles ils ont perdu. Fait que mal conditionné nous pas transformé. Il y a une situation qui déjà la guette des bras en pile femme paysanne qui fait commerce en dans département Grand-Anse. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour VOA Créole. Merci Mackinson Charles qui s'est correspondant nous dans Jérémy dans département Grand-Anse nous rejoindre et Valerio Saint-Louis l'autre fois on a parlé depuis Valerio là on a parlé de New York on a parlé de New York et nous parler d'un bail qui concernait et haïtien ces questions et immigration nous voit que avec question immigration deux partis principales partis et aux États-Unis démocrates et républicains et ben ils viennent face à face dans question immigration au point que et ben gagne un gouverneur Abbott qui voit un paquet de monde dans New York parce que il dit que et ben c'est comme son président démocrate qui l'a et que gon magistrat qui démocrate tout donc yo même yo lagué moun sa yo pour capable régler problème immigration mais qui ça nous a dit sur ça Valérie? Tout à fait c'est yo bagaille que justement maire New York lui-même monsieur Eric Adams l'a dénoncé il dit carrément que gouverneur Texas Eric Abbott li comme si servi avec cause immigration hein, comme un zam politique. Il dénonçait ça, il déplorait ça tout, et c'était comme un chirépide qui était gagné en deux officiels. Et côté que Eric Adams, de toute façon, il dit que, eh ben, ville New York la prend responsabilité là, mais il recevoit les immigrants ça. En pile là, plus passer 12 000 immigrants rentrés dans ville New York là, et maire là tout est obligé et rapidement et débloquer l'argent pour capable construire un centre d'accueil pour immigrants ça. Un centre d'accueil qui journée jeudi a été monté pour recevoir immigrants ça en bonne et due forme. Les immigrants font nous dit qu'ils sortent dans pays et l'Amérique latine là, mais nous pas jusqu'à présent voir que pas un rapport ou bien reportage de haïtiens qui t'a sorti qui t'a rentré parmi immigrants ça Jacques. Bien que normalement et en général ou même qui t'es allé sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, toujours gain haïtiens et parmi monde qui sorti dans Amérique centrale, n'a parlé de Amérique du Sud tout, Venezuela, Colombie, Bolivie, Guatemala, toute équipe ça yo, mais et, il arrive que statistique yo pas parler de haïtiens, statistique yo pas parler de haïtiens bien que grand pile centre dans Brooklyn New York que nous connais nous même dans VOA que nous visiter yo, nous fait des reportages sur yo côté que il y a des organisations qui ont même à recevoir immigrants qui grand pile haïtiens qui justement sorti et sous frontière là rivin joyeux. Mais dans cas pas ville New York là, maire Eric Adams, enfin bataille ça entre maire Eric Adams et gouverneur Texas, nous pas connaît si dans bus sorti sous frontière Texas, il est arrivé entre tout dans la cour New York, n'a pas suffou quand même. Oui, donc ça veut dire question immigration qui prend la mi-temps qui prend la mi-temps et élection mi-mandat. Ça c'est un gros sujet. Gros sujet et à côté de avortement et l'autre et sujet Ukraine sans doute après la question. Mais nous ouais que eh ben ça intéresse ici parce que c'est question immigration et faut dire que c'est pas seulement New York, yo recevoir Boston, vous Boston, justement. Et puis Miami, vous voyez, Miami, justement. C'est, et puis, vous voyez, ici, dans tout le Washington, D.C., Washington, vous recevoir de voilà. Tout. Et yo même, vous voyez, vous voyez, n'importe côté, vous mettez en face Kai, vice-président Kamala Harris, il faut le faire. C'est ça, tout à fait. Une bataille politique, quand même. Donc, Et nous dit Valérie Saint-Louis, merci. Et n'a pas pratiquement arrivé dans le fin programme. Il faut dire que Pita, comme d'habitude, n'a pas gagné troisième mi-temps, nous, côté que nous pourrons parler encore et Haïti. J'ai eu l'occasion de parler avec Franz Duval qui est rédacteur en chef Le Nouveliste et qui est rédacteur Ticket Magazine tout. Eh bien, lui-même, lui dit nous que lui parlait avec Robertson Alphonse Confrère nous et après qu'il t'ait subi attaque hier, Madia, et nous connaît qu'il t'a pral vint faire émission. Et puis, ça crivait, lui attaqué, le bandit attaqué et Nouveliste présenté le commun tentative d'assassinat, mais et M. Chappé en bas, tentative d'assassinat. Nous-mêmes, c'est un confrère, nous présenter sympathie, nous, bah, le Nouveliste. Et nous dit M. Pont rétablissement pour le guérir vite et pour le retourner faire ça l'habitude faire. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi, c'est Jacques Lebelzer. Moi, c'est Valérie Saint-Louis qui était avec dans le studio. Je souhaitais que demain, on connaît ensemble. Et puis, Rob McLean, thank you so much. Et puis, nous dit ben, gracias. Et puis, tout l'autre monde, merci en pile. Rendez-vous 50 ans pour. Et troisième mi-temps. Rendez-vous cassé, c'était. Bon Dieu, ensemble avec vous, moi pralé, me quitte au nom de papa bon Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de protéger vous, bah ou la vie avec la santé. Bon la journée. Bisous, bisous, one love. Me ramasser paquet, moi. Cause, habitant pas misé la ville. Me pralé. Mais, ma quitte au nom de papa bon Dieu. Parce que c'est lui même seul qui est capable de protéger vous, bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.